Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est encore moi, vous me voyez de plus en plus souvent. Mais en fait aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Ifi puisque je reçois ma nouvelle selle. Enfin plutôt ma selle tout court puisque j'en avais pas. Avant j'avais la Eric Thomas donc on vous avait présenté sur YouTube. Et ensuite j'ai récupéré celle de Clarisse puisque l'arcade correspondait. On avait vu avec la selle de Dolphiteuse. Mais il y a juste qu'elle était un petit peu trop longue. Voilà donc j'ai fait quelques balades avec mais c'était pas hyper violent. Et ensuite j'avais le tapis de Montacru donc que j'ai eu pour Noël. Et du coup aujourd'hui je reçois enfin ma selle. Ça fait 4 mois que je l'attends. Voilà, ça fait 4 mois qu'elle est commandée. Donc je l'avais commandée début octobre et là on est le 15 février. Donc là du coup il est 10h30 et la dame vient à 11h donc on va aller chercher Ifi. Les chevaux sont au box parce qu'il fait une grosse, enfin en fait il neige. Donc les animaux sont rentrés au box, on va chercher Ifi. Ensuite on a le rendez-vous avec la dame et je voulais tester la selle cet après-midi, aller faire une balade mais là c'est mort vu qu'il fait que de neiger. Bref, on va chercher Ifi et ensuite eh ben, je vais vous montrer la petite selle, voilà. Coucou. Coucou les ponies. Déjà plein de points. Coucou. Ah, il est où Jackpot, il est en train de manger. Ah non, il chie dans la porte. Ah bah oui. Vous avez dit qu'on revenait. Où ma chichi? Elle est où? Elle est où ma chichi? Bah, elle est en bas. On va pas dire alors, hein. On va rester là. Ils sont à l'école. Hop. Elle a une femme de messe qui sort. Ouais. Va dans ta mangeoire, Lily. Je t'ai mis tes carreaux. C'est bête. Elle a pas vu. Oh mais vous êtes en train de mourir. Ah tiens, il panique. Vous avez déjà eu tout à l'heure les granulés et tout en plus. On a deux. Voilà. Coucou ma chichi. On a bien vu l'oublier. Allez, go! Bon, fin du rendez-vous. J'ai filmé un peu, mais on voit rien. Oh mince! Nous avons ici notre caméraman en herbe. Il neige. T'es contente, ma Juju? On va retrouver les amis? Ça fait 15 minutes que tu les as quittés. C'était trop long. Attends, j'allume. Ici. Tu vas pas me rentrer dedans, non? Tu peux pas rentrer quand il n'y a qu'une porte, hein? Bah oui. Allez. Attends, ici. Oh, mais Lily, t'as déjà fait pipi dans ton pot. Putain, je la change de côté exprès. Et c'est bon les filles là. Allez. Bon, c'est bon. Merci. Voilà. Oh. C'était si dur que ça. Bah, Lily, t'as déjà fait pipi dans ton eau. Viens, je t'enlève ton Nicole. Voilà madame. Elle ferme pas la portière. Regardez-moi ce temps. Il neige. Illico. Bah oui.
Voilà, donc je vous retrouve, la dame est partie, on a remis Fio au box et je voulais vous montrer la fameuse selle. Donc pour info, c'est une Toro Good, c'est la T8 Pony Jump en 16,5. Voilà, donc du coup je vais vous montrer, donc là voilà. Et du coup, cette partie-ci, attendez, je sais pas si vous allez bien voir, cette partie-ci en cuir, le siège est en cuir, et puis il y a cette partie-là aussi qui est en cuir. Et après le reste, c'est du synthétique, voilà. Donc en fait, à l'intérieur des matelas sûrs, c'est de la laine. Ce qui est bien chez la Saddle Fitter, chez qui on l'a prise, c'est qu'en fait, tout simplement, je pense que c'est une spécificité de la selle aussi. On peut rajouter de la laine à l'intérieur, donc la selle est à revoir de temps en temps. Elle nous a dit là qu'il fallait potentiellement la revoir cet été ou bien fin de l'année, quoi, histoire de voir que ça donne. Et puis surtout, Kiffy est encore en train de grandir aussi, donc on sera quand même obligé, enfin je serai quand même obligée de la faire revoir la selle, comme Kiffy continue de grandir et puis qu'elle va s'étoffer. Là elle va sur ses 4 ans, donc elle va encore grandir, grossir, donc je serai obligée de faire revoir la selle, histoire de contrôler si c'est toujours bien adapté à elle, etc. Et donc, comme Ify est une petite ponette avec un dos court, en fait, il y a le contre-sanglon qui est avancé, qui permet en fait à la sangle d'être bien au niveau du passage de sangle et non pas trop en arrière, ce qui est forcément gênant. Et du coup... Je lui ai fait regarder ma sangle, donc la sangle demi-lune dont on vous avait parlé dans une vidéo. Elle a dit qu'elle était très bien, voilà, qu'elle était encore très, très matelassée et qu'elle correspondait bien à Ify en fait, hein, qu'on pouvait difficilement faire mieux là avec la sangle demi-lune, le contre-sanglon avancé, voilà, elle devrait être méga confort quoi. Il y a juste une petite chose qui m'embête, c'est qu'en fait Ify elle réagit super mal au sanglage. Elle avait vu l'ostéo, elle avait vu un vétérinaire pour ses petits ulcères cet été. L'ostéo nous a pas dit qu'il y avait de problème particulier. Avec la sangle demi-lune, je pensais que ça irait mieux parce qu'en fait, quand je la sangle, que ce soit avec le tapis non tacru, avec l'ancienne selle que j'avais, en fait avec trois selles différentes, on va dire, elle a toujours une espèce de réaction. Quand je la sangle, elle jette sa tête en arrière, elle baisse les oreilles et elle essaye de mordre, hein, de chipper la sangle. Et je comprends pas pourquoi elle a cette réaction. On avait même testé si elle avait mal à l'estomac, donc on avait appuyé dans le petit trou. Entre les antérieurs, là, au niveau de l'estomac, elle avait pas spécialement de réaction. J'arrive à la gratter, j'arrive à la toucher à cet endroit là. Je pensais qu'avec une sangle demi-lune ça irait mieux, et avec le tapis de Montacru c'est pareil, enfin, elle devrait même pas avoir de réaction, mais elle en a quand même une. Ma dernière solution en fait c'est de faire venir un masseur, un kiné pour chevaux, histoire de voir si c'est pas musculaire. Voilà, donc c'est ce que la saddle fitteuse nous a dit tout à l'heure. Elle a bien regardé la sangle, elle a vérifié la selle, etc., que c'était ok, et elle nous a dit que le seul problème qui pourrait rester ce serait musculaire. Et voilà donc ma nouvelle selle, et je pense qu'on ira l'essayer en balade et que je vous filmerai ça, mais pas aujourd'hui parce qu'il neige, il pleut, il fait un temps de merde, ça caille, enfin bref, donc voilà, ce sera une autre fois. Je voulais aussi vous dire que c'est pas parce que j'ai une selle que maintenant qu'elle a 3 ans et demi, je vais la démonter en balade, qu'on va faire du saut, du cross machin et tout. Ce sera des petites balades tranquillou. De toute façon, c'est l'hiver, donc elle a quasiment pas monté. Voilà, on verra ensuite quand elle aura grandi plus, quand peut-être on aura la carrière, je ne sais pas. On verra bien plus tard, mais là c'est pas pour faire du sport de ouf quoi, hein. Elle est encore toute jeune, donc c'est vraiment balade tranquille quoi. Si jamais vous avez des questions sur la selle, n'hésitez pas aussi à nous les poser en commentaire, et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux. Du coup il y a mon Instagram et celui de Clarisse en fait, de la chaîne, je vous les mets juste ici. Et puis en fait je vais vous laisser là pour moi, mais on se retrouve tout de suite pour vous pour la balade avec la nouvelle selle. Et voilà! T'es plus attachée, Ify, hein. Je crois qu'elle s'en est pas aperçue. Voilà, donc j'ai mis mes étrivières, mes étriers. J'ai pas trop galéré au sanglage. Enfin, si, on a galéré au sanglage, mais Ify n'a pas fait trop la vie. Et donc, c'est parti. À tout à l'heure, mes sanons! Mais ne te mets pas dans les fesses de Lily, tu doubles si tu veux, Ify. Bah oui. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux plus avancer? Ah si, ça y est. Pour l'instant, j'avoue, j'ai mal aux fesses. Mais la selle dans la descente qu'on m'a prise n'a pas avancé.
Non, on mange pas le sapin. Allez. Doucement. Non, tu trottes pas, Ifi. Tu trottes pas. On trotte un peu ? On trotte un peu ? Ouais. Oh là là ! Je crois que c'est la première fois qu'elle trotte aussi doucement. Mets-toi sur le côté. Voilà. C'est bon, tu peux y aller. Voilà. Oh, je suis à l'aise. Oh bah, t'as peur de quoi? Bon, bilan de ces trois foulées de trop, je suis méga à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de quoi, ma chichi? Tu veux qu'on prenne le chemin, là? Ah, Clarisse! Oh, la vache! Eh, tu lui as fait peur! Elle a fait un écart, tu lui as fait peur! Regardez qui c'est qui nous a fait peur! Allez! Oui, c'est bien! Regardez notre promiscuité. C'est bon les chuchus, vous avez assez à boire dans la mini flaque. Voilà. Allez. Tu veux qu'on trotte un peu ici? Oh là! Je n'ai pas besoin de le dire deux fois. Allez, ça monte. Ça fait le kiki. Oui, très bien ça. Ah, oh bah vas-y, allez, c'est parti. Non, fais le tour, les filles, qu'est-ce que vous faites? Allez, là, ça monte, madame. Hein, ça monte, hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Regardez ce paysage. On est au-dessus de tout. On est même au-dessus des montagnes. Allez, ma chuchu, ça monte, ça monte, ça monte. On va attendre Lily en haut de la montée. On vient de voir des chevreuils débouler. Et du coup, Ifi n'a pas bougé. Attention, il y a de l'eau là, mais il faut que tu passes dedans, Ifi. Ouais, on n'a pas le choix là. Non, tu manges pas. Tu manges pas, Ifi, tu avances. Oh là! Et là, ça monte. Il faut monter doucement. Non, doucement, tu vas au pas. Voilà. Eh oui, ça monte là. Voilà. Allez, on tourne. Voilà. Très bien. Oui, ça monte là. Voilà, on a fait le plus dur, les filles. C'est bon, c'est fini. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Encore des chevreuils? Non, 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 tu manges pas. Oui, très bien ça. Allez, madame. Non, tu t'arrêtes pas à manger. Tu vas manger. Tu vas manger ou tu vas boire? Non, tu manges, Ifi. Eh, oh. Tu manges pas, hein. Ah, ah. Attention, ça glisse, hein. Oh, ça pique, ça. Aïe. Ah. Elle est où, Lily? Oh, Ifi, arrête-toi. Oh, stop. Stop. Oh là. Oui. On attend Lily. La bonne tête. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Non, non, non. Tu veux rattraper les gens, mais moi je veux pas. Il y a un chevreuil encore, je crois bien. Oh, stop, Ifi. On va attendre Lily. Parce que t'es une belle excitée, hein. On trottera après dans la montée, là. Bah alors, on t'attendait, nous. Ça va, ma Lily? Non, tu manges pas, t'as mangé tout là-haut. Allez, arrête. Attends, nous, on va partir au trot. Oh. Et moi, au galop. Tu fais attention parce qu'il y a des gens là-bas. Ah ouais? Ouais.
Non, hé, tu vas trop vite là. Elle s'emballe, elle, à chaque fois. Ok. Je crois que le chien, il nous grogne. J'ai peur. Mets-toi là, on va faire chaud. Non, non, Ifi, doucement. Bonjour. Bonjour. On trotte, Ifi, tout doucement. Oui, ça, c'est très bien, ça. Doucement, tu vas trop vite. Voilà. Doucement. Ok, oh, pas. Oh, pas. Oh, pas. Oui. Bon, on vient de rentrer. Et bilan, la selle n'a pas bougé. Par contre, le tapis s'est cassé. Bon, nous sommes rentrés de balade. Je suis congelée, mais vraiment congelée. Bilan, la selle est vraiment tip top. Enfin, j'ai pas avancé, j'ai pas reculé. Je me sentais super bien dedans, que ce soit au galop ou trot, au pas. J'ai un petit peu mal aux fesses, mais bon, ça va s'arranger, c'est normal. Et voilà, donc super. Voilà. Du coup, Ifi a pas trop fait de cinéma au niveau de quand je l'ai sanglé. À voir après, je pense que je vais quand même voir s'il y a pas un souci de ce côté-là. Mais la selle, super cool. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Je filme, tu verras ce que tu mettras. Ouais. Elle veut te manger. T'as mis le tapis à l'envers. C'est pas vrai. Si, si.